Eh bien, re à toutes et à tous, bienvenue sur la ZTV, nous sommes le soir du samedi 17 août 2013, et nous avons... Attendez, oh putain, mais qu'est-ce que... nous allons passer sur un jeu exceptionnel, mesdames et messieurs, ce jeu c'est... Kaiser 3. Alors, Kaiser 3, c'est quoi? Kaiser 3, c'est un jeu de gestion, sorti il y a Monster Hall de temps, Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, donc on va y jouer. Alors, on va... je vais vous montrer, hein, parce que, attendez, moi je joue sur un autre PC pendant ce temps-là et tout. Donc voilà, on va mettre la caméra. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Kaiser. En ce moment, nous sommes Edil, donc Edil Zerator. Je vous rappelle le topo sur cette mission. Donc on va faire rejouer pour voir les objectifs. Ah non, c'est vrai, on a pas besoin d'aller là. Alors, nous avons besoin de 8000 habitants, 45 de prospérité, 55 d'estime, 40 de culture, 50 de paix. Seul problème avec cette fucking city, c'est qu'on se fait attaquer tout le temps, non-stop. Mais malheureusement pour les ennemis, j'ai trouvé une manière de caru. Alors, il y a un autre problème sur cette ville, c'est la bouffe. On a des problèmes de bouffe dans cette ville. Récemment, on a remplacé toutes les fermes de légumes par les fermes de blé, mais je vais pas passer mon temps à expliquer à quand Kaiser 4. Jamais nous jouons à un jeu de notre enfance, nous ne jouons pas à ce jeu parce que c'est Kaiser, nous y jouons parce que c'est un jeu de notre enfance et que ça fait plutôt plaisir, voilà. Donc, voilà. Alors, donc là j'ai un grenier plein, ça fait plaisir. On commence à peine à retrouver un petit peu de bouffe parce que, voilà, alors il faut que je me rappelle un petit peu de tout, excusez-moi. Je vends, donc j'achète de la viande, je vends de la poterie en masse, je vends des meubles en masse. Là, il n'y a pas de bouffe ici, c'est bien dommage. Ok, donc ça va, la viande, ça va nickel. Est-ce que j'avais pas fait un autre grenier là-bas? Ah non, j'avais dit que j'avais trop de greniers justement. C'est ça le problème du grenier, donc la viande, tu vas la chercher. Ça, on avait dit que c'était bon, c'était ok. Donc là, en théorie, et la viande devrait se vider parce qu'un mec de l'entrepôt devrait venir la chercher. Normalement. Enfin, je crois. Alors, une seconde, je regarde. Mets la cam en bas à gauche. Ben non, parce que si je mets la cam en bas à gauche, ça cache une partie du jeu. Alors que là, ça ne cache rien à part les messages de merde, l'alarme et la croix, ce qui ne sert absolument à rien. Donc voilà. Alors, non, il n'y a pas de drop. Hein. Il n'y a pas de drop, mesdames et messieurs, du moins pas pour l'instant. Donc c'est merveilleux. Donc c'est vous qui avez un petit problème de co. Par contre, il est possible peut-être que Dailymotion fasse quelques lags, mais voilà. Alors c'est la game où il a pété un câble. Oui, c'est une game où à un moment on est devenu fou, voilà. Alors il nous faut 8000 habitants, c'est l'objectif principal pour l'instant. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ne vont pas chercher la viande, les mecs, là. Va chercher la bouffe. Enfin, je vais mettre la vitesse à 100%, excusez-moi. On augmente la vitesse pour que j'aille à 100%. Mais personne ne vient chercher la bouffe. Ah non, ça je sais. Parce qu'il reste encore de la viande dans un des entrepôts, je crois que c'était ça l'histoire. Et il fallait attendre qu'il se vide pour qu'il vienne chercher les autres. Je crois que c'était ça l'histoire. Je suis pas sûr, mais... Non, hein, aucune charrette ne vient chercher la viande, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors j'ai beaucoup de bouffe, comme vous pouvez voir. Ça y est, j'ai vu un morceau de viande disparaître. C'est bon, ça disparaît, il commence à venir chercher. Ça fait plaisir. Attendez, je vérifie, hein. Paf, voilà. La viande. Hop, il est là, 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 il est là. Paf, il en amène. Ok. Donc là, ces maisons ont pas tardé à avoir du marché, bien sûr. De la bouffe. Il y a une tempête en mer. Bon, c'est pas très grave. Alors, je vais répondre une fois à la question pour les gens qui n'étaient jamais venus à ce live. Pharaon, je n'y ai pas joué pendant mon enfance, donc je n'y jouerai pas. On va rester sur Kaiser et on essaie de finir le jeu pour l'instant. Voilà. Je vous l'explique. Alors là, il va nous falloir, je pense, encore un quartier résidentiel. Une fois qu'on aura ce dernier quartier, et ben on pourra... Alors je pense qu'en fait je vais agrandir le quartier ici. Ça me semble être une bonne idée. Juste faut voir jusqu'où va l'eau. Ok, elle va jusque là. Donc là on peut faire un petit quartier déjà. Tac. Tac, tac, tac. Hop. Hop. Alors là je me demande si ça va pas kill toutes les maisons. Est-ce que ça va pas tuer une ou deux maisons qui sont sur le centre ici? Normalement non, mais puisqu'il y a deux bordures à côté de chaque maison, donc ça devrait le faire. Ok, on va faire un quartier là, avec une fontaine ici, et une dernière fontaine, peut-être l'eau. Non, non, bon, peut-être pas. Alors, donc là par contre, mon école a changé sa trajectoire, donc du coup ça va être un petit peu le bordel, je vais faire ça je pense. Mais là ça va kill cette maison, peut-être là derrière. Ça devrait enlever celle-là je pense, normalement, le fait d'avoir supprimé ce truc. Je ne sais pas, je ne sais pas.
Attendez, attendez. L'eau va jusqu'où déjà? Ah, ça va pas. Je vais faire un réservoir ici. Un réservoir, un petit réservoir. Alors, je vous explique pourquoi je fais ça. Parce qu'après, eh bien, je vais devoir évoluer mes maisons. Mais on peut estimer qu'une fois que j'arriverai à 7000 habitants, je pourrai me permettre de faire juste de l'évolution de maison et on arrivera à mes 8000 citoyens qui sont requis pour le truc. Alors, il faut des plazas. On peut y aller, on a 40000 d'argent, on a masse d'argent, c'est ça qui fait vraiment plaisir. Donc ça déchire. Vous êtes nombreux, ça vous plaît, Khazar 3, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des poteries? Incroyable. Alors, des poteries. Alors, où on est, la ville? Niveau chômage et tout. 9% de chômage, incroyable. Alors, ça tombe bien qu'on ait un peu de chômage. On va pouvoir faire quelques puits d'argile ici. Hop, hop. Et quelques ateliers de poterie. Des ateliers de poterie. Hop, 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 et hop. Nous allons faire ça ensuite. Et voilà! Alors là, on va faire une étude d'ingénieur et une préfecture afin que tout ça ne crame pas. Il faut que je me remette un petit peu dans le bain. On va sauvegarder, histoire de sauvegarder les changements. Et là, donc les gens sont en train d'arriver, même s'il y a du chômage, évidemment. Alors quand c'est 8%, ok. Mais ça devrait le faire, ça devrait le faire, je pense. Est-ce qu'elles ont de l'eau, les maisons qui sont là, si j'en fais? Ouais, pas de problème, elles ont de la water. C'est parfait. Alors qu'est-ce qu'elles veulent maintenant? Donc des poteries, bien sûr. Alors ici, pourquoi on a... Non, ici on accepte les poteries, mon gars. Ici on accepte les poteries et c'est ça qui fait plaisir. Et on n'accepte pas que les légumes, on accepte aussi le blé, par exemple. Le blé, c'est quelque chose qu'on accepte, tout à fait. Parfaitement. Non, on accepte quoi d'autre? On va accepter les meubles. Non, si je commence à accepter les meubles, ça va être la merde. Mais voilà. Alors... C'est bon? Vous êtes ready? Vous êtes tous attentifs à ce qui se passe sur ce live? Ça me fait plaisir. Donc là, on a juste ces tentes-là qui n'ont pas de bouffe pour l'instant. Mais la marchande de nourriture va passer. Elle va leur donner de quoi manger. Voilà, elle est passée, vous voyez. Donc là, ça évolue forcément. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent? Accès hôpital, ni dispensaire, ni hôpital. Dispensaire, dispensaire. Et dispensaire. J'en ai fait 3, mais bon, il y a du chômage, donc... Osef. Alors là, oui, elles ont besoin de plus d'attrait, ces maisons. Vous voyez, là, on est à 7000 citoyens. Vu qu'on a besoin de 8000 habitants, je pense qu'on va se permettre de laisser comme ça. Elle n'a pas accès à un lieu de culte. Alors, niveau dieu, on est comment? On n'est pas bien du tout. Alors, on va faire des temples. On va faire un temple de chaque. Donc, Cérès. Merde. Neptune. Neptune. Mercure. Mars. Je vais pas tous les faire, hein, au même endroit, parce qu'après, on sait jamais s'ils ont besoin d'autres trucs. Et Vénus. Vénus. Tac. Tac, tac. Alors, elles ont besoin de quoi d'autre? Poterie. Bon, les poteries, ça va venir, Osef. No care. Alors, j'exporte des poteries, je crois, à partir de 4. Les meubles à partir de 2. Le bois, machin. Viande importée. L'huile importée. Ça marche. Les meubles, on en a beaucoup. Hein. On a beaucoup de meubles, bien sûr. Il met les temples les uns à côté des autres. Ah, vous en faites pas, hein, c'est juste que là. Attaque de barbares. Alors, les attaques de barbares, il n'y a pas de problème. Alors, ceux qui se moquent de mes techniques, c'est parce que vous n'avez pas vu le début du jeu. Je carrue complètement. Je suis trop fort. Ne croyez pas que vous êtes meilleur que moi. Je suis le meilleur. Voilà, défoncez-les! Défoncez-les! Avancez-vous, voilà! Crevez tous! Nickel, donc on peut se remettre à 100%. Voilà, défonce! 15% de chômage, c'est beaucoup. Mais on arrive bientôt à 8000 habitants. Alors, on arrive bientôt à 8000 habitants. 15% de chômage. Alors, le chômage, c'est très facile à enrayer, il faut le savoir. La culture, il nous faut 40. Donc là, on va faire, par exemple, des universités. Grâce aux universités, le chômage va un peu tomber. Là, on va faire... Préfecture et études d'ingénieur. Alors, études d'ingénieur. Pas que tout ça s'en aille. 15% de chômage, on est passé à 12% déjà. Alors ici, il y a des insulas et tout, c'est merveilleux. Donc là, université. Là, on va faire une autre université pas loin d'ici. Alors là, c'est un peu le bordel, je sais, dans ma ville à ce niveau-là, mais il n'y a pas de soucis, vous en faites pas. Université, donc, ici. Voilà. Et on va faire une autre université en bas. Qu'il faut que les gens aient accès à l'université. Alors ici, il n'y a pas de bouffe. Bon, il n'y a pas de bouffe. Ici, c'est un problème que je n'arriverai jamais à résoudre, je pense. Ah, ça a accès à une route, ça? Attendez. Elle n'a pas du tout accès à une route, cette truc. Voilà. 7200. Bon, j'en perds quelques-uns parce que j'ai pas de bouffe, en fait. J'ai pas de bouffe. C'est ici que j'ai pas de bouffe. Ce grenier sert à trop de quartiers, en fait, malheureusement. Mais là, je commence vraiment à avoir des problèmes de bouffe. Mais j'ai trop de légumes. On va tout annuler. Hein. On va tout annuler pour les légumes. Tant pis. Tant pis! Bah oui, tant pis. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, César me demande jamais de légumes. Et le blé,
les gens en mangent plus. C'est beaucoup plus worth it d'avoir du blé. Alors par contre, je pourrais faire encore une ferme ici. Le problème, c'est que c'est un peu loin de la main d'œuvre après. Là, je peux en faire aucune, là, par exemple. Non, là, non. J'ai un peu utilisé tous les terrains que je pouvais au niveau des fermes, hein, mesdames et messieurs. Donc là, j'ai plus trop... Alors là, oui, je peux pas faire venir de route, c'était ça le problème. Et c'est pas worth it d'en détruire une pour en faire deux. Donc je ne l'ai pas fait. Et là, il me reste une ferme de légumes, donc on va la supprimer. Ferme de blé, again. Et là, Kaysar, je veux des légumes. Et oui, pour les employés, on peut aussi faire des hôpitaux. Donc là, j'ai 7% de chômage. Mais le chômage, c'est très bien. Ça permet de créer d'un coup des milliers de trucs si vous en avez besoin. Alors, tac, tac. Encore des fermes de légumes qui vont se transformer en blé. Ah, ils ont que du blé ici. Ça tombe bien. Bon, là, elles sont à côté des céréales, donc elles aiment pas. Alors, niveau culture, on est comment? On doit être pas mal, là. 29. Il n'y a pas assez de bibliothèque. Ok. Prospérité. Bon, 45, c'est pas très dur à atteindre. L'estime de Rome, à votre égard, est en baisse. Ah oui. Tiens, César. Tiens, des girafes. Tiens, des saphirs. Et tiens, un chat en or. Nickel. Faveur 60. Parfait. Donc là, il faut juste arriver à monter cette culture. On va faire éducation, bibliothèque. On va regarder où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il n'y en a pas. Donc là, il n'y en a pas, par exemple. On va faire une petite bibliothèque ici. Là, oh, il n'y a pas du tout là. Bibliothèque là. Bibliothèque là. Ok, il y en a en haut. Oui, il y en a une en haut. Il n'y a pas trop de soucis normalement. On va quand même en faire une là. Voilà, 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 voilà. Donc là, on est pas mal. Là, niveau culture, ça va remonter. Il n'y a pas assez d'écoles. Donc là, éducation. École. Et là, on fait la même chose. Donc on prend une école. Donc là, il y en a. Là, il y en a. Pas de problème, pas de problème. Là, oh, là, pas d'école. Ah, attendez, hop. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, normalement, bam, 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 voilà, nickel. Là, il y a des écoles, là, il y a des écoles. Parfait, 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 parfait. Donc là, on est pas mal. Là, à mon avis, on est bien. 44, c'est bon. Prospérité en hausse. Et bien maintenant, il suffit juste d'atteindre 8000 citoyens. Voilà, Zerator, tu perds masse fric. Oh, ça va, je suis à 60k. Vous en faites pas, ça peut aller pour le fric. Donc maintenant, il faut qu'on atteigne, voilà, des citoyens en plus. Alors, je vois qu'ici, c'est pas mal niveau citoyen, ça monte pas mal. Bon, les citoyens arrivent là, mais un peu doucement, donc je doute qu'on y arrive avec... Avec ces quartiers là. Alors ça c'est un grenier qui a beaucoup de bouffe, ça aussi. Non, pas celui-là, pas tant que ça. Mais là ça devrait aller mieux pour la bouffe, parce que j'ai quand même fait beaucoup plus de fermes de blé. Ah, il y a celui-là aussi qui est tout le temps vide, putain. Je suis tellement pas bien. Niveau bouffe, c'est la merde. Intersidéral. Vous savez quoi, je vais supprimer les murs ici, ils servent pas à grand chose. Je vais peut-être faire un nouveau quartier ici. Je vais faire un nouveau tiercar. Parce que si je fais un nouveau tiercar ici, en fait, il se servira au grenier qui est tout le temps plein. Donc je pense que ce sera mieux. On est comment niveau prospérité? Elle est en hausse. Bon, d'accord. Réservoir, on va le faire genre là. Ok, Duc. Tes grosses villas vont faire la gueule. S'il manque du blé, tu vas perdre masse gens. Non, 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 ça va. Ça va, on a 1100 de blé. Même si c'est juste, on s'en sort. Alors, un petit tiercar ici, là. On va même faire deux tiercars. Tac, tac. Et un petit écart à côté de la zone résidentielle. Tac. Hop. Hop. Et hop. Maintenant des fontaines. Fontaine, fontaine et fontaine. Ça devrait suffire. On va faire un marché juste à côté. Hop. Donc les gens arrivent en masse, évidemment. Oh non, gosh. Donc là, des plazas, bien sûr, hein. Des plazas, des milliers de plazas. Alors là, faut voir à quoi elles n'auront pas accès. Donc il faut attendre un petit peu, hein, avant de voir. Là, elles n'ont pas accès à une bibliothèque ou une école, par exemple. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut en faisant ça. Donc là, on va faire école. École, bibliothèque. De l'autre côté, bibliothèque. Au cas où les écoliers fassent un chemin de merde. Voilà, et c'est le cas d'ailleurs. Ensuite, on va leur faire des loisirs. Donc s'ils veulent aller à l'hippodrome, on va faire une fabrique pardon, de chars, pas une patrie de chars. 5% de chômage, ça tombe bien. Fabrique de chariots. Non, on va la faire. Je vais la faire ici. Comme ça, les chariots feront tac, 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 tac. Bon, ça va pas trop. Ça va pas tant que ça, mais bon, c'est pas grave. Là, normalement, vous voyez, ils se dirigent vers l'hippodrome. Qu'est-ce qu'il faut? Là, ils veulent de la bouffe. Bon, ils vont en avoir de la bouffe. Bon, ça va un peu vider mon grenier, mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, je suis à 7500 citoyens. Prospérité 37, c'est de la grosse merde. Ça va être très, très dur de monter, là, les quartiers, je vous avoue. Tempête en mer, ouais, Osef. Ok, donc eux ils veulent de l'attrait, eux ils veulent du divertissement. Donc là, ici on va faire une fabrique de chariots. Tac. Distribue des meubles. Ils veulent des meubles! Putain, alors attendez, alors là. Ça c'est facile. Voilà.
Je pourrais même faire en fait un entrepôt ici, spécialisé dans les meubles. Tac, 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 tac. Voilà. Et donc là, forcément, des gens avec des meubles vont arriver. Des milliers de gens avec des meubles. Voilà, regardez, ils arrivent, ils sont là. Bon, I'm firing my laser. Bon, regardez, ils sont là, blablabla. Ouais, on vous apporte des meubles, on est trop contents, et... Blablabla. Voilà, masse meubles. Donc on a Ikea à droite. Exactement. Là, on a deux trucs qui n'ont pas accès à la bouffe. Ça me saoule un peu. Donc c'est pas grave, vous savez quoi, on va faire deux jardins. Non, un jardin et une statue. Petite statue. Petite statue. Donc la fabrique de chariots, il est passé un petit peu partout. L'attrait de ce truc, préfecture. Ah ouais. On va faire une petite statue. Petite statue. Je suis à 7700 trucs. Citoyens. Ah voilà. Encore ? Pas assez d'attrait. Putain, c'est chiant. Pff, écoutez, je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi vous dire. Ah merde ! Préfecture, études d'ingénieur ici, vous avez raison, j'ai rien fait. Préfecture, préfecture. Qu'est-ce qu'elles veulent ? Des termes ! Les termes, c'est tout à fait possible, nous avons ici des termes. Voilà. Tu viens de perdre 200 habitants, c'est vrai ? Ouais, mais vous savez pourquoi ? En fait, c'est à cause de ce quartier-là, ici. En fait, quand ils ont de la bouffe, ça monte, et après, hop, ils s'en vont. Donc c'est un peu chiant, mais bon. Fabrique de chariots. Je rêve, la fabrique de chariots, ça empêche le... Putain, pourquoi j'ai pas fait les termes ? Terme ! Voilà. Terme ! Là, je vais faire ça. Comme ça, si je fais un bâtiment ici, il passera par là. Ok, donc les termes, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qu'elles veulent de la bouffe ? Il y a plus de bouffe ici, c'est ça ? C'est trop chaud, vous avez vu ? Ça augmente, là, t'es bon. Ouais, ça augmente et ça baisse quand même, hein. Ok, des termes, là elles veulent plus machin, là, des termes aussi, des termes, fuck my life, ils vont faire des termes ici, hein, dommage, mais c'est comme ça, il va falloir le faire. Ah, voilà, ça évolue, donc là on va gagner des habitants, ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'elle veut? Elle a pas accès à un point d'eau. Ah, alors attends, je vais quand même faire une fontaine parce que ça m'arrangerait qu'elle ait accès à un point d'eau. Vas-y, évolue. La, 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 la. Ok, fabrique de meubles. Le fait qu'il y ait une fabrique de meubles te dérange, ben je l'enlève, pas de problème. Ça va faire du chômage, mais peu importe, il y a que 3% de chômage, c'est parfait. Et maintenant, se divertir, mais pas suffisamment. Et ouais, non mais ça je le savais, ça je le savais. Donc, vous savez quoi, on va couper l'accès ici. En fait, il y a plein de trucs qu'elles vont perdre si je coupe l'accès ici, genre les dieux et tout. Ouais. Bon, ok. Alors, on va faire école de gladiateurs. Et un petit théâtre. Un petit théâtre. Tu vois ? Je vais le faire là, le théâtre. Voilà, comme ça il passera un petit peu partout. Ça leur fera bien plaisir. Alors qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Plantation céréalière. Alors ça, je peux pas l'enlever, je suis désolé. Statue moyenne, par contre, je peux faire si tu veux. Voilà. Petite statue. Tac. Ça vous gêne ? Ça vous gêne, ça ? Ça vous gêne pas ? Non. Dispensaire. Dispensaire, dispensaire. Le mec qui a le plus de pouvoir, il vit dans cette tente. 7800 habitants. Par contre, la prospérité... Oh, on est bien, on est bien. Oh, la faveur de César baisse à mort. Bon, on va attendre d'atteindre 8000 habitants. On est bien, on est parfait. Les habitants montent. Occupons-nous des quartiers un par un. On peut pas se divertir suffisamment dans ce secteur. Pas de problème, je vais vous faire une fabrique de charial. Vous allez voir. Vous allez trop kiffer. Regardez, fabrique de charial, ça va partir vers le bas, normalement, j'espère. Vers le bas, s'il te plaît. Vers le bas, non, il part par le haut. 20 meubles, il veut César. Alors là, je vais te dire, César, j'ai 102 meubles. Donc pas de soucis avec ça. Ok, donc il est parti vers là. Donc ça m'arrange pas du tout. Fabrique de chariots, on va la mettre. Gratitude de l'empereur. C'est cool, César, merci beaucoup. Alors là, est-ce qu'elle part plus? Est-ce qu'elle part encore vers la droite ou pas? Ah, voilà. Tac, tac, tac. Oh, j'ai gagné. J'ai gagné la mission. Et oui, parce qu'on a 8000 habitants, la faveur devait être pile bien montée et tout. Donc, félicitations. On est bien content, j'ai gagné la mission, je suis très content. Ah ah ah. Nice. Félicitations. Êtes-vous un gouverneur ou...
point, général. Votre excellent travail à Tingis a permis de libérer mes légions de l'Ouest. Et je peux à présent poursuivre de nouvelles ambitions. Vous voici, devenu un élément crucial de mes plans. Eh ben merci, César. Tu fais zizir, César, moi je te le dis. Donc c'est parti, clic droit. Et alors là, province dangereuse, Lutèce, donc c'est Paris. Ou province assez paisible. Alors attendez, assez paisible, ça veut dire quoi? Attendez. Ah, ça veut dire qu'il y a quand même de la bataille. Donc attendez, je vais partir directement. Non, pas ça. Rejouer. Population 10 000. Oh putain. Et ça, c'est quoi? Donc Paris! Afin de consolider les provinces de l'Ouest, j'ordonne qu'une nouvelle capitale soit construite au cœur de la Sauvage Gaule. La Sauvage Gaule? Auguste a prédit autrefois que les Gaulois, deviendraient un jour des citoyens romains modèles. Il est temps que la grande vision d'Auguste réalise au cœur de ces terres hostiles, vous devrez construire Lutetia et en faire une cité romaine majeure. Ok, Paris. Dont les niveaux de culture, de prospérité et de paix seront inégalés. Je vous ai octroyé une province... Lutetia, mission civiliser la Gaule, d'accord. Vous y parveniez. Prospérité 50, c'est beaucoup, hein. Risque de vous causer quelques difficultés. Loin de s'approcher de la citoyenneté romaine, les nombreuses tribus gauloises continuent de se complaire dans la plus primitive barbarie. Putain, ça va être chaud. Alors d'abord, quand on arrive... Oh putain, c'est gigantesque. Alors déjà, quand on arrive sur une carte, on étudie un petit peu son terrain. Donc déjà, on voit qu'on va être dans la merde niveau bouffe, puisqu'on a que ça en terrain céréalier, avec des loups d'ailleurs qui gardent tout, il va falloir les nourrir. Donc on regarde un petit peu. Je vous rappelle qu'on va jamais, au grand jamais, utiliser les armes, puisque nous avons la cavalerie et les javelines pour nous défendre de ça. Ensuite, il faut regarder la carte. Donc la carte, bien sûr... Il faut regarder qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on vend. Donc là, ce qu'on achète, c'est là, bien sûr. Donc on peut acheter déjà, c'est quoi? Des olives, du raisin et de l'huile, ok. Et on peut acheter aussi du vin et du marbre, d'accord. Donc ça va, et on peut vendre du fer, ça c'est très bien parce que c'est une matière première. Mais bon, c'est pas très cher. On peut surtout vendre des armes, et ça c'est super de pouvoir vendre des armes parce que ça vaut cher. Donc il faut voir un petit peu les prix, mais en gros, vous avez meubles, armes... C'est ce qui vaut quasiment le plus cher. Parce que vous avez donc 250 et 200. Le fer, ça vaut que 60. Mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, le fer et les poteries. Donc on aura aussi les poteries. Les poteries, ça vaut combien? Les poteries, ça vaut 180. Donc on a quand même trois ressources très très chères. Lugdunum, c'est pas la ville que t'as fait récemment? Si, mais là, c'est Lutetia. Lugdunum, en effet, on peut ouvrir une route de commerce avec Lugdunum. C'est Lyon. On a aussi fait... tiens, il y a Marseille. On a aussi fait donc celle-là qu'on vient de faire, Tingis. Volubilis, Caesarea, Tamugadi, parfait. Donc Lutetia, notre cité. Alors là, ça risque d'être chaud. Bon, il faut voir. Alors, on peut faire blé, légumes, viande. C'est pas forcément utile, sauf si on veut... bien sûr, faire... plusieurs bouffes pour les gens. Donc voilà. Enfin bon. Bon écoutez, on va partir là-dessus. Hein. Alors il faut juste voir d'où les gens attaquent au départ. Donc là je vais relancer la mission bien sûr. Hein. Ça coûte combien de tout nettoyer? Jusque là. 5000. Paf! Évidemment si on rase la forêt, les loups... Bah c'est parti, on va vous défoncer! Donc le but n'est pas de tuer les loups, du moins pas pour l'instant. De toute façon on est obligé de s'installer près du fleuve, avec les fermes, etc. Donc voilà. Et donc c'est parti. Afin de consolider les provinces de l'Ouest, j'ordonne qu'une nouvelle capitale soit construite. Alors. Nous allons engager les procédures. Donc ne pas trop nettoyer quand même, là on a dépensé 400, c'est déjà pas mal, le réservoir. Alors déjà, il n'y a que des routes commerciales terrestres, donc ça c'est bien, on n'aura pas de... On n'aura pas de truc à faire. Alors ça sert à rien de mettre le jeu à 10% au début, les amis, hein. Parce qu'en fait, on a vu que c'était particulier. Alors après, il faut voir ce que César va nous demander en premier. Je parle en termes de ressources. Si par exemple, il nous demande direct des meubles, ça va être méga chiant. En revanche, s'il nous demande autre chose, ça risque d'être pas mal. Alors attendez. Hop. Donc on va faire petit à petit. Vous savez quoi? Attendez. Je vais faire comme la dernière fois, là. Au niveau du tiécar, je vais faire mon truc là, mon truc qui carue. Donc je vais faire le réservoir. On va regarder combien isole la fontaine et on va construire autour. Et réservoir. Tac.
Donc là, normalement... Normalement, cette fontaine... Ah oui, mais on peut pas le voir tout de suite. Leave. Leave. Oh, fuck me. Oh là là, je fais n'importe quoi. Ok. Alors. Donc, une seconde, juste, j'essaye de voir. Mais normalement... Enfin, je sais plus exactement combien de trucs ça prend, mais... Attendez, attendez, j'y vais. Go arm fast, Zerator. Ouais. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Donc là, la route a un truc d'écart de trop. Enfin, un truc en plus. Donc en gros, on fait une fontaine et c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est un carré de 4 par 4. Ok. Je recommence parce que j'ai perdu déjà 800 en fric. Ah ! Espace pour switcher entre l'eau et le normal. Ok, c'était pas le bon clavier, fuck my life. Alors. Voilà. Merci pour le tips. Vous faites plaisir. Alors. 1, 2, 3, 4, 1. Paf. C'est parfait, ça fait pile en plus le truc. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, attendez. 1, 2, 3, 4, donc 5. 1, 2, 3, 4, donc 5. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Par contre, du coup... Ouais, c'est ça, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout ce qui est à l'intérieur de ce truc est peut avoir de l'eau. Voilà, vous comprenez? Vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Donc maintenant on fait ça. Non, en fait on doit faire que deux lignes. Donc deux lignes, deux lignes, deux lignes et deux lignes. Alors en vrai j'aurais peut-être dû faire moins gros, hein. Je suis un peu con. Plus simple pour la route. Quoi? Non, c'est bon. Normalement c'est bon. Comment ça plus 1 sur la route? Qu'est-ce que vous racontez? Non, c'est bon normalement. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'on va peut-être... En fait, je devrais peut-être à la limite couper ça. Faire une route à l'intérieur. Et faire ça. Je vais faire ça des deux côtés. Regardez. Tac, tac. Ah non, ça va les effacer là. Ah mais non, même pas. Puisqu'on est... Ouais, non, c'est bon. Donc là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Mais des jardins. Non, je mettrais des plazas. Ah oui, là, ils vont peut-être pas pouvoir rentrer. Ah si, c'est bon. Oh, on est pas mal, là. Là, on est vraiment pas mal. Là, à mon avis, la fontaine, on peut dire qu'elle carrue. Bon, bref, il faut qu'on se dépêche de faire des fermes. Alors, ferme de blé. Hop, ferme de blé ici. Ferme de blé là. Oh, il y a des putains de loups. Oh, merde. Ça va pas du tout, ça. Émigration. Bon, ça, c'est pas grave, c'est un message de début de jeu. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu le... Pour l'instant, il n'y a rien, on n'a rien fait. Par contre, c'est vrai que je suis un peu nul niveau vitesse. Je vais un peu trop lentement. Enfin, je vais un peu trop vite. D'un point de vue vitesse. Alors, on va faire le grenier ici. Préfecture. Ouais, j'arrive avec les préfectures. Donc, on va faire une de chaque côté. Tac, tac, tac. Voilà. Comment ça drop TV? Il y a zéro drop. Donc là, attention de pas ouvrir pour les loups quand même, hein. Pas faire n'importe quoi, le Zera, là. Par pitié. Alors, eux, ils veulent des armes. Des armes, de la poterie, du fer. Yes. Le problème, c'est qu'on est assez loin des montagnes. Voilà, c'est ça que j'étais en train de me poser comme question. C'est où sont les fucking montagnes dans cette mission. Trop marrant. Elles sont là! Super, Zerator! Il y a toujours un problème. Donc, j'avais pas vu. Putain. Bon, ils s'en vont, mais c'est normal, vous en faites pas. Parce qu'au début, il faut des plazas et tout. Hop! Et il faut des marchés, bien sûr. Là, j'ai pas de marché. Tac. Tac. Voilà. Bon. Insurrection populaire. Ah, déjà? Alors, je vous rappelle que l'insurrection populaire, ce n'est pas ma population qui se rebelle, vraiment. C'est un truc programmé par le jeu, donc, pour avoir... Putain, déjà, waouh. C'est rapide.
Ah, c'est rapide. Bon, je vais recommencer, je vais aller sur la droite, je pense. Oh là 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 là. Masse préfecture pour une aide les loups. Alors, l'expérience nous a montré que c'était pas forcément une bonne idée de faire ça. Ok, on y va. Je vais commencer à produire ma ville, à faire ma ville, pardon, ici. Je vais faire comme avant, des quartiers de 4, on va se prendre la tête, on fera de l'optimisation plus tard quand on aura le temps. Là, on n'a pas le temps. Donc allons-y. Génial, Zerator. Oh non, j'ai ouvert. C'est bon, c'est pas ouvert. Hein. Quoi? Attendez. Non mais qu'est-ce que je peux faire contre ça? Vous m'expliquez ce que je peux faire contre ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux putain de faire contre ces putains de loups du début? Rien, on peut rien faire. On peut rien faire. Là, on peut rien faire. Voilà, on peut rien faire. Ça me saoule quoi. J'ai pas envie d'emmurer les loups, ça me saoule de faire ça. C'est trop relou. Arrêtez-vous. Ah pute. Voilà pourquoi je veux pas. Pourquoi je déteste emmurer les loups, parce que ça ne marche jamais. Enfin si ça marche, mais c'est trop relou. Ok. Donc. Génial. Ça a super bien marché. Je suis trop content. Donc là ils vont sortir, c'est ça? Ils ont l'air coincés. Y'en a pas d'autres? Si, y'en a d'autres là. Génial. Arrêtez-vous! Peut-être je devrais mettre le jeu à 10% pour faire ça quand même. Voilà. Donc génial. génial. Là c'est bon. Allez, c'est reparti! On y va! On se la refait, moins crispé. Allez, c'est reparti, les amis. Voilà. Oh non, pas ça. Fontaine. Donc là, j'ai la limite pile du truc, hein, c'est ça, voilà. Études d'ingénieur. Préfecture, on va en faire le double. Préfecture, tac et tac. Ensuite, nous allons faire quelques fermes de porc. Non, de blé, bien sûr, au début. Toutou. Bon, là, c'est pas ouvert, je pense. Pas faire de conneries, Zerator, hein. Vous savez quoi? On va, eux aussi, les emmurer. Au cas où on ouvre. Ou alors, comme ça, on pourra ouvrir, en fait. Tout simplement. Voilà. C'est bon? C'est bon, ils sortent pas. J'ai eu peur quand même quand je les ai vus se déplacer direct. Là j'allais faire quoi? N'importe quoi! Ok, alors on va essayer de pas perdre de place. Genre pas comme ça par exemple. Donc là vous voyez, je vais faire enlever cette route. Faut pas hésiter à enlever les routes du début. Hein. On s'en fout complètement, Rome va pas vous défoncer pour ça. Donc vous y allez. Hop. Voilà. Donc là certains diront que j'ai trop de trucs. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Je m'en fous complet! Ah oui, alors là, merde, là par contre j'ai un peu fait de la merde. Bon, c'est pas grave. Hop, dispensaire. Il faut combien d'habitants combien de trucs dans un dispensaire? D'accord, à plus. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on peut vendre? Des poteries, c'est ça qu'on va faire. On va vendre des poteries au début, ok? Alors, nous allons faire un fort déjà. Un fort de cavalerie. Un fort de cavalerie que nous allons placer ici. Un fort de cavalerie près d'ici, parce que de toute façon on met les réservoirs en général ici. Ensuite il nous faut une caserne pour produire des soldats. Évidemment, une caserne pour produire des soldats. Et on va faire une académie militaire, comme ça ce sera fait. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est un peu tôt, t'as que 4000 et tout. Ouais, no care. No care. Et voilà.
Voilà. Là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah oui, il faut un marché, du coup. Il va falloir un marché, sinon ça va pas le faire. On va faire un marché là, un marché là. Sachant que là, on va faire, en fait, un autre quartier. Tac. Tac, 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 tac. Tac, tac. Na, na, na. Alors, je sais que le Sénat ne sert à rien. Apparemment, il perce les impôts. Il perçait les impôts. Il percepte, pardon, les impôts. Mais on va le faire. Marché, grenier, forum. Non, le Sénat, c'est bon. Alors, attendez. La cité a besoin d'employés. Bon, ça, vous êtes. Donc, les employés arrivent. Les employés arrivent. Alors, ne vous en faites pas. César va un peu faire la gueule au début. Les forums, c'est super important. Zerator. Donc, attendez, attendez. Parce que là, pour l'instant, les forums, on en aura besoin après. Il n'y a pas de problème. Perçoit. Ils perçoivent. Perçoivent. T'as plus de thunes. C'est normal, au début, vous en faites pas. On compte sur le prêt de César. 3 employés sur 30. C'est vrai que ça demande 30 employés. C'est pour ça qu'on le fait pas au début, le Sénat, en fait. C'est pour ça. Attendez, je crois qu'il n'y a pas assez de routes qui arrivent à mon... Ah, c'est pour ça. Ah si, normalement si, en plus. Les fontaines ne tournent pas à fond. Ah. Service des eaux, priorité maximale. Service des eaux, priorité maximale. Ensuite, on fait de la bouffe. 3 employés sur 6. Non, mais honnêtement, je vais enlever ce Sénat. Tant pis, j'ai fait une erreur, mais... Parce que ça coûte quand même 400, ça coûte très cher, donc c'est un peu relou de supprimer le Sénat. Vous voyez, j'ai les premiers chevaux qui sortent, formés à l'académie, non. L'académie militaire, faut 20 employés, c'est pour ça. Mais après, au moins, on sera bien. Alors, 4 employés, pas de main d'œuvre allouée à ce secteur. Peut-être qu'on pourrait faire production de nourriture après. Mais bon, je compte sur le fait que les employés vont arriver et que ça va se calmer. Voilà. Alors nous allons faire tous les temples, Cérès, Neptune, Mercure, Mercure, Mars et Vénus. Maintenant que le grenier tourne, c'est pour ça que j'ai fait les temples, parce que j'ai vu que le grenier partait. Donc c'est parti, forum plus temple. Je vais faire un forum, vous avez raison. Le forum, voilà, il est là. Alors maintenant il y a de la bouffe qui arrive, donc ça va évoluer, ils ont accès à un lieu de culte, voilà, donc là ça va évoluer jusqu'ici, parce que là maintenant il faut de la distraction bien sûr. Donc on va faire un premier théâtre là, et un second théâtre par ici je pense. Voilà, à mon avis, hop, on devrait faire ça, ça servirait pour tout le monde, et on va faire un théâtre, voilà, là, qui passera, qui fera tous les trucs. Enfin à mon avis le théâtre ça devrait suffire pour tous ces quartiers, mais j'en suis pas très sûr, donc voilà. Alors juste un truc, en fait je me demande si je ferais pas des maisons là. Carrément, je sais que c'est fifou comme idée, mais c'est complètement fifou. C'est pas grave. Remarque, là, j'ai de la place pour un bâtiment à 4, donc je pense que je devrais le garder pour faire genre une école. Ouais, une école, ce serait pas mal. Une école, ce serait pas mal. Ah, ils ont pas d'eau. Donc là c'est pas mal, on est à combien? On a besoin de 59 employés, mais les gens vont arriver, voilà, ils arrivent. Ils arrivent encore par milliers. Est-ce que l'académie est pleine? Non, 8 employés. Mais du coup, il doit y en avoir certains qui sont formés à l'académie, non? Non, pas encore. Dommage. Vous avez pas besoin de tout ça. Attendez, juste au niveau des risques d'incendie. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Je vais quand même faire une préfecture en plus, parce qu'après j'ai des problèmes de criminalité. Voilà, une autre étude d'ingénieur aussi, ça me fera les deux seuls de ma ville. Et je commence à avoir de la cavalerie. Donc c'est bien. Grande tente. Ah, il n'y a plus de main d'œuvre. Merde. En fait, je suis allé trop vite. Genre là, le théâtre, ça prend trop de trucs. L'école, ça prend trop de trucs. Il faudrait que j'attende d'avoir plus d'employés, donc je vais faire ça. C'est parti, on sauvegarde. Donc mon empire Caru. Voilà, et là à mon avis, il va y avoir le grenier qui va remarcher, la bouffe qui va fonctionner. Donc ce sera pas mal. C'est une mission sans incendie si tout est à zéro. Ouais, je sais, je sais. Enfin non, non, non. Non, non, c'est pas tout à zéro. École, bibliothèque. Je vais attendre un petit peu que eux aient de la bouffe. Et une fois que eux, ils auront de la bouffe. Une fois que tout le monde sera en mode taudis, en fait, je vais augmenter. Et je ferai les écoles. Parce que pour l'instant, on n'a pas assez de bouffe, c'est vrai.
Par contre, je pense que je vais devoir supprimer cette ferme afin de faire un chemin opti pour les autres. Vous avez été rapide, tu as puisé vos fonds. Essayez de les faire durer un peu plus. Alors on va faire ceci. Voilà. Et là, il va me falloir une étude d'ingénieur, évidemment, pour tout ça, mesdames et messieurs, parce que... Non, ça va être vite le bordel. Étude d'ingénieur, là. Émigration, pourquoi? Personne ne sait. J'en ai marre de foutre. Il n'y a pas de travail. Chômage! Chômage à mort, 18%, fuck! École! École! Plaza, vous voulez de la bouffe? Ça arrive, la bouffe, vous en faites pas. Je fais des fermes, chômage à mort, chômage à mort! Vol, génial, c'est le chômage, vous en faites pas. Le fait qu'il y ait des vols, c'est le chômage. Vol, nickel, pas de soucis avec ça. Tac, tac, tac. Le boulot arrive. Vous allez pouvoir aller travailler dans les champs, vous êtes pas trop chanceux. Chanceux. La cité a besoin de 13 employés, voilà. Donc maintenant, on a besoin de termes. Et oh, ça va, oh, c'est fini, là. Donc des termes, on va faire des termes. Alors là, pourquoi je le fais là? Pour amener une route, en fait, et pouvoir faire plus tard des bâtiments par ici. Donc c'est normal. Alors, de la distraction, vous voulez de la distraction? Les acteurs ne passent pas par là ou quoi? Alors là, plus personne n'arrive dans ma ville. Pourquoi? Il y a encore trop de chômage? Non, pourtant elle a besoin d'employés. Qu'est-ce qui peut bien se passer? À mon avis, ça va venir. Voilà, ça arrive. Ouais, des fois, il faut un petit truc et ça arrive. Alors, le forum, j'ai toujours pas de forum. Si, j'ai un forum. J'ai un forum. Combien de gens payent des taxes? 86% de la population, on va mettre 8%. Normalement ils s'en vont pas à 8%, ils s'en vont après. Alors là il faut commencer à vendre des trucs, donc on va faire matière première, puits d'argile, x2. On va faire quelques ateliers de poterie mesdames et messieurs. Atelier de poterie. Tac tac tac. Vous êtes endetté, vous êtes un connard. Alors voilà, ça c'est bon. Ensuite il faut ouvrir la route commerciale pour les poteries. Ça va nous coûter 500, c'est un peu cher. Combien je peux donner à la ville? Je peux donner actuellement 3000 à la ville. Nice. C'est bien. J'avais beaucoup d'économies, ça me fait bien plaisir. Alors les poteries, ça tombe bien. Alors niveau chômage, on est comment là? On a besoin de 21 employés. Ils arrivent, je pense. Voilà, ils arrivent. Donc on va faire un autre atelier de poterie, puisque vous savez que c'est normalement un truc de matière première pour deux ateliers. C'est ce qu'on a appris au fur et à mesure des missions, bien sûr. Donc là... Attendez, risque d'incendie. Ah, y a quelqu'un qui me dit que il n'y a pas d'incendie quand risque dégâts. Ah voilà, ça par contre. Ça par contre. Bon, s'il n'y a pas d'incendie, il y a, pas... y a quelqu'un qui m'a dit non, il risque pas d'y avoir d'incendie. Ah, on est full. Alors ça, ça déchire. Ça va nous permettre de faire un nouveau quartier. Le fameux quartier qui va vendre des armes. Le quartier... De la... Le quartier comment? Le quartier, on pourrait dire, industriel. Donc on va faire un aqueduc gigantesque qui va aller tout droit, hein. Tout droit. Tout droit, voilà. Tout droit. Qui va tourner. Et qui va aller ici. Et on va pouvoir faire un tiécar ici. Qui va nous... Ah, j'ai oublié de vendre des poteries. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon, j'arrive. Exporter à partir de 2 unités, on va dire. Le fer, on va l'exporter à partir de 4 unités. Les armes, on va les... Quoi? Ah oui, il n'y a pas d'industrie, c'est pour ça qu'il veut pas. Donc les routes. Les routes. En fait, on n'a pas besoin de routes. 1, 2, hop. Je laisse la place, pardon, pour des bâtiments à 4. Alors là, j'ai 144 de thunes. Ok, donc là, attends, stop. Refusez le blé, merci. Vous vous calmez tout de suite. Vous vous calmez avec le blé. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Se divertir, mais pas suffisamment. Non, mais ça, on verra plus tard. Pas assez de distraction. Pas assez de distraction, ok. Bon, on verra plus tard. Pour l'instant, on va faire un autre grenier là-bas. Il faut absolument que je vende des armes. Donc là, on va s'endetter un petit peu. Je suis désolé de vous dire ça. Par contre, si mes villes sont pas reliées, je crains fort que... Fort qu'il y ait un problème. Tintin.
C'est bon, je gagne de la thune quand même. Alors. Hop. Le quartier des mines. Tu sais qu'avec une javeline, tu peux sauter tous les loups. Et du coup, on gagne de la place. Ouais, mais j'ai pas besoin de cette place-là pour l'instant. De toute façon, là, j'ai toute ma cavalerie qui pourrait largement soloter les loups. Mais pour l'instant, on en a pas besoin. Est-ce que les mecs arrivent, par contre? Ah, ils arrivent, c'est cool. Parce que j'ai eu peur que, si jamais, vous savez, il n'y a pas d'emploi et tout. Nouvel endettement, vous êtes un bâtard. D'accord. Études d'ingénieur. Préfecture. Voilà. Alors, par contre, est-ce qu'ils vont amener s'il n'y a pas de route? C'est ça que je me demande. Je pense que non. Enfin, je pensais bien que non. Donc, oh non! Ils n'iront pas. Tu vas beaucoup trop vite, Zeratan. Mais non, c'est pas la peine d'aller lentement dans ce jeu. Alors, par contre, là, j'ai fait de la merde avec la route derrière le truc. Voilà! Et là, vous allez voir. Regardez ce qui va arriver par ici. Ouais, du blé! Ouais! Voilà. Et là, du coup, marché. La masse plaza, c'est ça, on va faire. Vous êtes vraiment un connard. Voilà, c'est bon. Donc là, vol. Tac. Vol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du chômage, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Et là, regardez bien attentivement. Donc on va regarder si on a du chômage. Chômage 24%. Donc ça déchire. Matière première, mine de fer. 1, 2, 3, 4. Pouh! Donc on va faire 8 ateliers d'armes. Ouais, 8 ateliers d'armes. Vous vous rendez compte, c'est un truc de fou quand même. Là, on va solliciter le dieu du commerce. Enfin, Neptune, qui est en fait le vrai dieu du commerce. Hein. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc là, eux, ils se demandent pourquoi ils peuvent pas amener des trucs aux ateliers d'armes. Parce que... Oh, l'entrepôt! On se calme. Atelier d'armes. Voilà. Haha. Nice, l'endettement. Ah, mais vous inquiétez pas, l'endettement, c'est pas grave. C'est parce qu'on est au début de la mission. C'est tout à fait normal. La colère de Mercure. Comment ça, j'ai oublié un temple, c'est ça? Pas du tout. Ils sont juste trop vénères. Très bien. Donc Cérès. Neptune. Non, je l'ai déjà fait. Fuck my life. Cérès, Neptune, Mercure. Merde. La colère de Vénus, cool. C'est un peu l'apocalypse, mais c'est pas grave. Là. Attendez. Mercure. Mars. Par contre, la colère de Mars, ce serait vraiment chiant. Insurrection populaire. Ah, voilà. Voilà nos premiers adversaires. Donc on va les défoncer, hein, bien sûr. Oh, mourez tous, mourez. En plus, la cavalerie, ça se déplace très vite, c'est très pratique. Ok, on va faire un entrepôt. Bah là-bas, en fait, pas trop la peine de faire plus loin. Ah, il passe à travers les... Ok, no care complet des aqueducs. Hop, on va faire un passage ici, quand même. Je vais faire 2-3 passages. Histoire 2. Il y a du vol parce qu'il y a du chômage. C'est bon, vous allez par où? Vous allez par à droite, par à gauche? Droite, gauche. No care, pas le temps, je vous défonce. 3 mecs en calbut qui vont se faire ouvrir par des mecs à chevaux. Bah ouais, hein. C'est la vie. Ouais, crevez tous. Allez, à plus en LAN. Bah très bien. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Pas assez de distraction. Et oh, ça va, hein, vous êtes des mecs qui font, qui allez aux mines, là. Faut pas trop en demander non plus. Je voudrais 1500 en fait. Voilà, j'ai plus de dettes. Parfait. Je vais faire mon Sénat. Oh putain! Y'a des loups qui attaquent. Ils attaquent qui? Où? Non, en fait, c'est juste que. Ah, c'est là! Alors, j'ai défoncé des mecs en calbut. Des soldats. Formé. Mais alors les loups, ça. Et du coup, je vais perdre. Regardez, j'ai un soldat barbare là. J'ai plus que 9 trucs, 9 cavaliers. Allez, attaquez là! Attaquez tous, bordel! Non, mais c'est. Ah, ils ont plus de morale. Morale au plus bas. On s'est fait défoncer par des loups! Seigneur, aidez-nous! Mesdames et messieurs, nous allons faire la pause de ce live. Première pause de ce live. Qui sera aussi le premier cut VOD. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite, on est très très bien parti dans cette mission, ça me fait extrêmement plaisir, donc mesdames et messieurs, je vous dis à tout de suite. Tu as 6 ateliers pour 4 mines de fer, on va en faire plus, ne vous inquiétez pas, à toutes.